Vous savez avec quoi on perd jamais le signal? Le papier. Voilà, cette route-là, elle devrait nous mener droit au volcan. Mais ça risque de secouer un peu. En voiture, tout le monde. Ok. C'est parti. Hey, salut à tous, c'est Darkmania, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Uncharted 4. Donc, on s'est arrêté là dans l'épisode précédent. Et on va donc s'arrêter pour le chapitre 10 qui est, ma foi, long. Bon. Qui est très long, c'est pour une des raisons pourquoi j'avais décidé de recommencer à zéro. Et vous faire chapitre par chapitre parce que c'est super long. Ouais, on s'en fout. On fonce. On va aller droit au but. Hein. Parce que c'est super long. Allez, c'est parti. Donc, il me semble que c'est par là. Ou bon. Pas. C'est par là. Une grotte secrète cachée derrière une cascade. Monsieur, c'est une véritable aventure de pirate. Oula, attendez. Je vais aller voir ici. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Il doit y avoir un trésor ici, je pense. C'est pour monter là. Hein. Bon, je vais quand même vérifier, même si je pense que c'est pas le chemin qu'il faut prendre. Voilà, c'est bien pour un trésor. Ouais, je suis venu juste pour un trésor, c'est pas grave. Hein. Allez, on va donc chercher. Parce que je ne me rappelle plus où c'est le chemin. C'est la première fois depuis des années que je prends deux douches le même jour. Donc, je pense que c'est par là, enfin. Encore un pont, tout ce qu'il y a de plus fragile. Ah, il faut que je prenne le pont. Je crois qu'on est sur la bonne voie. Allez, allez, vas-y. Avance. Je prenne le pont. Ah. Il y a des petits problèmes quand même pour avancer. Et puis, faites ton mieux pour nous faire tomber. Et tu veux pas aller plus doucement? Et puis reste au milieu, s'il te plaît. Bon, ça va, je crois que je peux passer pour commencer. Ah, ça va, tout va bien. Allez, on est passé. Alors ici, ici ça va être difficile. Ouais. Non. En fait, faut que je passe là où il y a des cailloux. Faut que tu retrouves de l'adhérence. J'attends les rochers. J'ai compris. Oui, j'ai compris. Je sais qu'il faut suivre les rochers. Hop. En fait, ils vous font faire tout un tour de malade. Ça commence à rentrer. Et voilà. Alors, hop. Allez. Voilà, c'est par là. Je fasse le tour. Je passe par ici. Hop, allez, avance. Hop. Et regardez là-haut sur la pente. Il y a une sorte de tour. Là, ça devient intéressant. Dis Victor. Alors, on va aller là-haut. On va passer par là.
important. Si je comprends bien, t'as tout mis dans le treuil, mais rien dans les suspensions. C'est super important. Quand on fait du tout-terrain, il peut pleuvoir, il peut y avoir de la boue. Je n'arrive pas à traverser ce comptoir sans jamais avoir besoin. Il me semble que c'est par là. Attends, hop. Allez, monte. Voilà. Ensuite. Non, on peut pas passer par là. Décidément, c'est pas où. What? Ah. Non. Ah mais non. Oh là 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 là. Ça y est, ça va me saouler. Ça va me saouler. Allez, mais putain. Allez. Ah. Bon sang. Par où je suis censé passer là? Un indice, le jeu, quelque chose? Non, même pas. Ah, ça m'agace. Hein. Ça m'agace. Non, mais là, je vois pas pourquoi je passe par là, d'ailleurs. Bah, montre-moi le chemin, connard. Par contre, je sais pas. Je sais pas par où faut passer. Là, je suis coincé. Ça me gonfle. Par là, non. Je dirais aux développeurs de montrer où est le chemin. C'est dingue, hein, quand même. Hein. 2016, et les développeurs sont pas capables de nous montrer où est le chemin. Ah là 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 là, puis cette voiture, elle est inconduisable. Ah ma parole. Bon, on a réussi à passer. J'en sais rien, pour se protéger, pour pas tomber sous les griffes du gouvernement britannique. Allez! Oula! Et c'est parti! Alors ici, on peut pas y aller. Donc je t'explique, je vous explique, faut sortir le treuil. Il faut faire le tour comme ça, avec le treuil. Il faut faire comme ça. Hop. Il y a que dalle, hein. On va pas aller voir son frère là, on a autre chose à foutre que de voir ce qu'il veut. Alors, ouais, vas-y, essaie. On y va. Doucement. Doucement. Voilà. Ouais, c'est lui, un treuil, c'est indispensable. On a franchi une côte, il en faudra un peu plus pour le rentabiliser. Ouais, d'accord. Mais c'est déjà une petite victoire. Je me contenterai de faire les plus grands. Ouais, il me semble qu'il y avait un petit dialogue avec lui là-bas. Là. Voilà, on s'en fiche un peu. J'ai déjà assez perdu de temps sur la chaîne, je suis désolé, mais je vais plutôt torcher le jeu. Ah, est magnifique. Magnifique la vue. Vous arrivez là, très loin du gouvernement.
Alors, il me semble qu'il y a un camp ici, non? C'est pas ici où il y a. Non, où il y a. Ce qu'il voulait, c'était vivre. Alors, non, c'est pas ici. Il me semble que c'est par là. Patience, Victor, patience. Alors. Ils sont partout. Ils ont navigué jusqu'au Brésil et ils ont traversé l'Atlantique jusqu'en Afrique. Et ils ont fait tout ça en cédant des quelques cartes en papier et du positionnement. Ouais, c'est par là. Ce que je veux dire, c'est qu'on est arrivé là assez facilement. Génial, je tourne en rond. C'est génial. Ah, voilà, je savais bien qu'il y avait comme. Ils sont là. Qu'est-ce que tu vois? Des militaires qui transportent des trucs. Des hommes de Nadine? On dirait bien. Bon, t'enfoiré. Mais... Ouais. On dirait que c'est un vieil avant-poste de colonie. Et c'est pas le bon, c'est ça? C'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est quoi? La seule route qui mène au volcan passe par eux. Eh merde. Au moins, on a l'effet de surprise. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Contentez-vous de me suivre. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Bon. Alors, le but, c'est de foncer dans le tas. On va pas avoir le choix. J'ai essayé la dernière fois en infiltration et ça a pas marché. Par contre, l'infiltration on le fera dans le prochain village, dans le prochain spawn comme ça. C'est là en fait, il y a pas de possibilité d'infiltration. Vous allez voir, y a pas de. Y'a un mec là-haut. Y'a un mec ici. Y'a un sniper là-haut, mais il veut pas. Il veut pas viser ce con là. Alors attendez. On peut essayer hein, l'infiltration, mais. Voilà. Mais ça marche pas. Il me semble que ça marche pas ici. Quoi est-ce là jouer? On va se la jouer bien. Attendez. On peut courir? Ouais, on peut courir. Il y a un sniper là-haut. Et le problème, c'est que moi, j'en ai pas de sniper. C'est dommage qu'on peut pas vraiment faire tout en infiltration. C'est-à-dire appeler le gars et le gars vient vers vous et bon, vous le neutralisez. Vous pouvez pas le faire, ça c'est con. C'est vraiment bête, enfin. Merde. Et viens. Alors, ça c'est fait. Est-ce que l'autre il va alerter Non, il l'a même pas vu. Mort de rire. Même c'est qu'il y a le snipe là-haut et il risque de nous voir.
voyez, le problème c'est que... Le problème c'est que dès que vous alertez tout le monde, il y a plus de gens qui apparaissent en fait. C'est un peu comme dans GTA, enfin, je sais pas si vous connaissez un peu, mais oui, je pense. Hein, qui connaît pas GTA. Ouais, c'est un peu comme dans GTA où si vous, quand vous alertez les gens, ils arrivent en fait en nombre. Voyez, c'est un peu comme GTA quoi, enfin, dès que vous alertez les gens, il y en a qui apparaît comme ça. Et ça c'est un peu le bas qui blesse dans les jeux. C'est que... c'est que voilà quoi. C'est que c'est pas possible enfin. C'est ça le bas qui blesse dans les jeux vidéo actuels, c'est que il faut apparaître des gens. Ils font vraiment apparaître des PNJ comme ça. Et c'est un peu n'importe quoi parce que voilà quoi. Allez. Voilà, hop. Je m'en fous que t'as avalé de la boue. Je voulais passer par là. Je voulais passer par là, mais bon. Allez, accrochez-vous les gars. Allez. 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 Ah, voilà. Nickel. Sully, à quel point est-ce que tu connais Nadine? Pourquoi ça? Je me disais que tu pourrais peut-être la contacter et essayer de la convaincre de rappeler ses hommes. Allez, bien. Et si on lui promettait une plus grosse part que Ray? Non, faut monter. Voilà, voilà. Bon, pour le moment, tout va bien. On n'est pas mort, on n'a pas pris de balles. Vous allez voir au prochain village. Voilà, ici. Vous allez voir qu'on peut faire 100% de l'infiltration. Mais c'est long. C'est long. Mais on va le faire. Si on va devoir le faire pour passer. Alors ici on va éviter les camions. Parce que si vous voit bah on est mort hein. Donc on va éviter les camions, on va passer par là. Passer par là, c'est par ici. Juste au cas où, tu vois. Et à part la lecture, je faisais de la muscu, je fumais, j'essayais d'éviter les bastons avec les grands rivaux. Passer par ici. Vous allez voir, moi j'ai essayé de faire 100% infiltration après. Quand on va arriver au prochain endroit où il y a des ennemis. Vous allez voir si tout va bien. Si tout va pas, bon, si tout va mal, bon, bah tant pis. Hein. Alors, c'est par ici. Là, par là. Oula, 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 oula. Alors ici, il n'y a rien. On va passer par là. Ah merde, c'est vrai, il n'y a pas de chemin ici. Tu voulais me parler de quoi, Sully? Ouais, donc, j'ai déjà eu affaire à Alcazar il y a quelques dizaines d'années. Sans déconner. Et comment ça se fait que tu sois encore en vie? En fait, c'était pas du tout le même homme qu'aujourd'hui. À l'époque, il était encore en pleine ascension.
En fait, on aurait dû passer par en bas. J'ai oublié. Pardon, excusez-moi. Sa spécialité, c'était les Shogun. Et Alcazar, c'était notre intermédiaire. Il était comment? Il avait l'air calme, mais en fait, il était susceptible. Il était du genre à exploser à la moindre provocation. C'est là. De ce côté, il a pour moi. J'ai pris mon flic et j'ai pas demandé mon reste. Il me semble que c'est là. Hein. Voilà, c'est ici. On va s'arrêter là. Et on va s'infiltrer. Alors il y a un garde là-haut. Ici, là, normalement. Si ça n'a pas changé. Donc ici on va essayer de se la faire 100% infiltration. Je dis bien, on va essayer parce que voilà, il y a des gardes partout. Alors, le plus chiant, c'est lui là-haut. Oh, il y a un beau gun. Et si on arrive à l'abattre, on a gagné. On aura tout gagné. Voilà. Merde. Oh le con. Bon, bah la filtration c'est mort. Hein. La filtration c'est mort. Bon, tant pis. Je voulais le faire 100% infiltration. Vous montrer qu'on pouvait le faire. Vous avez quelque chose là-bas? Rien. Rien. Déployez-vous. Alors heureusement ils sont un peu cons. Voilà. Je pense que c'est bon. Bon bah voilà. Et on peut faire vraiment 100% infiltration si on le veut. Il y a un petit secret derrière cette porte si vous, ça vous intéresse. Voilà, je vous le dis, passage. On va pas le faire, hein. Là, je vais déjà ramasser, je crois. Allez, c'est parti, on va aller l'aller là-bas. Bac de merde. Regardez ça, les gars. Qu'est-ce que c'est? On va pas y aller, hein. Je sais où aller, de toute façon.
continuer notre route. Et les gars, il y a encore une tour derrière le rocher. On voit des hommes de Charlin. Difficile à dire. Apparemment, on est les premiers à mettre les pieds ici. Voilà, apparemment, il n'y a personne. On va s'arrêter. On va noter ça. Oui, je le reconnais. C'est celui d'Anne Bonny. Elle sévissait dans les Caraïbes. Mais je croyais qu'elle était morte en prison. C'est tout au moins ce qu'on dit, l'histoire. Bon. Avery avait dû l'inviter, moi aussi. J'aime bien les PNJ qui vous dérangent. Alors, normalement, on doit pouvoir grimper ici. Voilà. Je vais aller jeter un coup d'œil à ce moment. Bonne idée! Fais gaffe, petit. Là, hop. Je vais aller voir s'il y a quelque chose là-haut. Il y a bien quelque chose là-haut. C'est pour ça que j'y vais, tu vois. Et les gars, il y a une immense tour juste après le pont-levis. La plus grosse jusqu'à maintenant. On va... pousser ça. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. C'est bien. Ouais. On va y arriver. Ok, à tout de suite. J'ai rapproché la voiture. Donc ça, c'est pour monter ici. Normalement, voilà. Pensez pas trop, hein, tous les deux. Je m'occupe de tout. Exagère, quoi. Ça va être quand même. Et on va avoir des petites visiteurs dans quelques instants. Savoir que bizarrement vous allez avoir des hommes qui apparaîtront ici. Ici là. On va les laisser prendre place. Même si on aurait dû les attaquer de front, mais c'est pas grave. On va les laisser prendre place. Vous allez voir, il y a un mec qui va venir là. Il y en a un autre de l'autre côté. C'est le côté le moins facile en fait, ici, enfin, l'autre côté c'est vachement plus facile, hein. Parce qu'il y a moins d'hommes.
Et voilà. C'est vraiment... Ah mais il me gêne lui hein. Et voilà. Vous voyez, du moment que vous avez actionné le truc hein, que vous êtes fait repérer, il y a des ennemis qui apparaissent comme ça par magie. C'est un peu n'importe quoi. Et what the fuck hein. Et ça c'est ce que je n'aime pas dans les jeux, c'est que genre il y a des mecs qui apparaissent quoi. Mais c'est pas grave, hein. On va les laisser s'installer hein. Tranquillement. Un peu bugué là-bas. Fais gaffe, il y a un sniper là. Alors, vous voyez, on peut faire tout en infiltration. Hein. C'est pas obligatoire Alors, on peut faire tout en infiltration. Voilà, vous voyez, on peut faire tout en infiltration, on n'est pas obligé d'utiliser nos armes. Merde! Ah, mais merde, je me suis trompé. Je me suis trompé de touche. Bah, il vient. Tant mieux pour nous. Oh là là. Bon, allez, c'est bon, on a assez ri comme ça. Hop. Il est un peu con, il est passé juste devant moi, non ? Bah oui, j'ai essayé, puis j'ai gagné. Il y a encore le sniper. Il est tellement dans son viseur, lui, qu'il va se faire tuer. Et voilà. Hey, hey, faut y aller avant que d'autres hommes de Shoreline se pointent. Oh. Alors, on l'abaisse ce pont-levis. Alors, faut l'abaisser. Faut que j'abaisse le pont-levis. Attendez deux secondes. Je vais t'attendre là avec Sam. Hop là. Voilà. D'ailleurs, on peut largement jouer en infiltration, hein, tranquille, sans trop utiliser d'armes.
ouais. Et voilà. Allez, c'est parti. On y va. Vous avez quand même pas parlé de moi pendant que j'étais pas là. Et c'est parti. Bien, voilà une grosse tour sur un volcan. Donc vous voyez, hein, la vidéo est longue. Donc c'est pour ça que je préférais faire chapitre par chapitre. Parce que 3 chapitres par 3 chapitres, bon, c'était bien, mais c'est trop long. Donc si on aurait, oui, on aurait largement fini, je pense, hein, à l'heure actuelle. Hop là. Ça patine. Et ça le fait rire lui. C'est ça le pire. Alors attendez, je vais me mettre bien en face. Voilà. Je vais aller jeter un coup d'œil. Alors, on va remonter. Par là-bas. J'avais pas vraiment prévu qu'on allait devenir partenaire. Les gars, on va le trouver, payer ce taré et on aura encore un beau magot à se partager. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez. Ça va? J'ai connu mieux. Allez, sors du plat, petit. Accrochez-vous. Ça va, vous êtes grâce au secteur avec vous, vous êtes venu au bout de mais je suis le plus de montagne. Doucement, petit. Doucement. C'est bien marré, non? Mais bien sûr. Je peux te dire que je vais parler de ça avec mon petit. Attends, tu vois un psy. Non, mais après tout ça, il faudra bien. Franchement, les gars, vous en rajoutez. J'avais la situation bien en main. La situation bien en main. Oui, bien sûr. On a failli mourir, mais oui. Allez, c'est parti. Allez, accrochez-vous. Ah, pour une fois, tout s'est bien passé. Ouais, je suis presque déçu. Allez, on est obligé de descendre. On va trouver un moyen d'entrer. Allez, on va chercher notre trésor, les gars. Et c'est parti, magnifique vue hein, au passage. Il me semble qu'il y a des mecs, je suis pas sûr mais. Il me semble qu'il y a des mecs. Ici il y a rien, aussi il y a un petit trésor là. Oh, joli. On peut pas rentrer par là. Non plus par là. Ah, c'est par là, oui. Pardon, tant pour moi. J'avais oublié. Sam, donne-moi un coup de main. J'arrive. Jeter un coup d'œil par là. Alors là, il faut pousser ça. Ouais. Dès qu'il y a quelque chose là derrière. Sam, allez. Merde, c'est
murée. Il faut qu'on trouve une solution. Alors, c'est L1. Chaud devant. Chaud devant, j'ai dit. Ok, on y va. Par ici. Alors. Voyez-vous, tous les deux. Sam, attends. Il est pressé. Qu'il est sur ses coups. Bon, il est pressé, mais à mon avis, il n'y a pas grand chose ici. Allez, c'est parti. Viens voir par ici. Ah, Saint-Dismas. Comment on se retrouve? Alors, qu'est-ce qu'on a? De nouveaux sceaux. Là, c'est notre cher Avery. Thomas Thieu. Et là, c'est... Là, c'est Adam Baldridge. Là, c'est Joseph Farrell et Larry Charmant. Tous des capitaines pirates. Bah, faut croire que ta théorie sur un rassemblement de pirates n'était pas si ridicule que ça. Alors, à ton avis, qu'est-ce que tu crois qu'on doit faire ici? Appuyer sur un bouton, tirer sur un truc? Je sais pas trop. Peut-être un truc avec les bras? Ouais, vas-y, essaie. Allez. Hey, les gars. Quand vous en aurez assez de tripoter ce pauvre Saint-Dismas, moi, je serai vous, je viendrai jeter un coup d'œil par ici. Le trapèze qui est là, c'est forcément le volcan, on est d'accord. Et la couronne, c'est la baie du roi. Je crois qu'on est tombé sur une carte, jeune Jean. Tu sais que t'es un putain de génie, Victor. T'entends ça, Nate? Un génie. Ouais, ouais. Alors nous, on est à cet endroit. Cette tour est alignée avec le sceau d'Avery. Ok, donc ça veut dire que les autres sceaux... doivent correspondre au tour de l'époque d'Avery. Bon, du coup, le trésor est sûrement dans l'une d'entre elles. Ouais, sûrement, mais laquelle? Si je compte bien, il y en a 12. Dis-moi, Victor. Tu te serais pas mis à fumer des cigarettes, par hasard? On doit pas être les seuls à traîner dans le coin. Mettez-moi couvert! Ok, allez, c'est parti. Alors... Alors... Oh là. Oh là, oh là 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 là, fais des roulades. C'est n'importe quoi, hein. Alors... Voilà. Merci de garder ce flingue.
C'est bon. Ok. C'est fini cette fois. Ouais, faut espérer. Ouf, j'ai bien fait de garder cette arme. Il semble qu'il faut grimper par là. Ah non, faut retourner là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Je veux savoir si j'ai raison. Regardez ça. Eux aussi, ils ont compris pour les tours. Les emplacements, les sauts, les travaux. Bon, et maintenant? Bah c'est simple. On est dans la merde. Parce que nous, on est venus à trois, alors qu'eux, ils sont toute une armée. Et ils ont une longueur d'avance. Oui, mais ils savent pas encore dans quel tour ils doivent aller. Super, Nathan. Sauf que nous non plus. Si, on le sait. Regarde. C'est un peu abîmé. Mais on voit à quoi ça correspond. T'es sûr de ton coup? Parce que ça pourrait être celle-là aussi. Oh, merde. Ah, en tout cas, deux tours, c'est toujours mieux que 12. Ok. Moi, je m'occupe de cette tour. Sully et toi, vous prenez celle-là. Non, non, pas question. Raif a déjà dû envoyer des hommes dans toutes les tours. Bah, justement, si on veut avoir une chance de les devancer, alors va falloir qu'on se sépare. Attends, Sam, il faut pas se précipiter. Ah, il a raison. Ces tours sont complètement à l'opposé l'une de l'autre. Pas vrai. Si tu tombes sur l'un des gros bras de Shoreline, tu nous appelles surtout. À tout à l'heure. Allez, Ned. Faut pas traîner. Ouais. Voilà notre tour. Non mais tu crois vraiment que tous ces trésors nous attendent gentiment en plein milieu d'un marché? Bon bah voilà, on va s'arrêter là. En espérant que cet chapitre 10 vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour le prochain chapitre qui sera chaud en émotion. Vous verrez, je vous en dis pas plus. Pour ceux qui connaissent pas. Voilà, pour les autres, bah vous savez ce qui vous attend, ce qui nous attend. Bref, ne pas spoil non plus dans les commentaires. Merci beaucoup. Alors merci, et puis bah à la prochaine. Salut.